Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo unboxing pour un diamond painting que j'ai en partenariat avec une boutique. Donc la boutique, c'est la boutique Kefan. Voilà, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc c'est une boutique qui est située en France, qui est tenue par Fanny et Kevin. Voilà. Ils sont dans la Meurthe-et-Moselle et sur leur site, bon, il y a pas mal de kits, de modèles, de toutes sortes pour les enfants. Il y a des modèles pour les adultes, bien sûr, de grande taille, de petite taille. Voilà, il y a, vous pouvez les avoir en perles carrées, en perles rondes. Vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez, bien sûr. Il y a la possibilité aussi d'avoir des personnalisés. Leur site, il y a vraiment un grand choix dessus. Voilà, donc j'ai fait un partenariat avec eux. Et donc j'ai reçu aujourd'hui, donc en colissimo. Donc là, ça a mis un peu plus de temps parce que, actuellement, avec ce qui se passe actuellement, le courrier est un peu au ralenti, hein, les colis aussi. Donc, ça a mis quelques jours en plus. Le colis était parti de mémoire, je crois, le 31 ou le 3 avril. Et donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Enfin, il avait été déposé à la poste le 31 mars, je crois, oui. Et il a été enregistré par la poste le 3. Et moi, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, bon, un colissimo, là, il a mis 6 jours. Mais bon. Donc, vous voyez, je vous montre que c'est bien par colissimo. J'ai caché mon adresse, hein, bien sûr. Et donc, j'ai reçu aujourd'hui le kit que j'ai choisi. Je vais vous le montrer. Je n'ai pas tout déballé. Alors, il est bien emballé, hein, vous voyez. Il n'y a pas eu de problème. Alors, il est dans sa boîte en carton. Voilà. Et je vais sortir le kit. Voilà. Il n'y a plus rien. Non. Donc là, pour j'ai pris un kit. Donc, elle m'avait donné le choix de prendre un kit en 30-40 cm. Voilà. Donc, ce n'est pas très grand par rapport à ce que je fais d'habitude. Hein, vous savez que d'habitude, je fais des très grands kits, des très grands tableaux. Et là, bon, elle m'a proposé de faire un 30-40. Donc, bon, pourquoi pas. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà comment je le reçois. Avec, donc j'ai eu le petit plateau vert, hein, que tout le monde connaît, la petite glu rose, le petit stylet rose et la petite pince comme ceci, en métal. Mais là, c'est pas la. Alors, je vous montre. La traversation, on voit pas bien, voilà, c'est celle-ci, hein, celle-là toute simple. Et il y a quelques petits sachets supplémentaires pour ranger les perles une fois que j'aurai terminé le kit. Donc, avec le kit, bien sûr, j'ai eu les perles. Donc là, moi, je les ai choisies en carré, comme carré. Donc là, c'est un kit en complet, bien sûr. Alors, avec, j'ai une fiche qui me donne toutes les références de couleurs, voilà. Donc, ça va être très bien, puisque moi, vous savez que je range mes couleurs
par 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ma boîte. Hein. Donc là, bah, c'est déjà fait sur ma fiche, donc ça va être très simple. Et en tout, j'ai 28 couleurs. Donc ici, bon là, c'est pas marqué DMC, mais ce sont les références. Hein. Oui, c'est les références DMC au milieu. Et là, ce sont les quantités de perles sur la dernière colonne. Et ici, voilà le modèle que j'ai choisi. Voilà, c'est un visage moitié tigre, moitié femme. Voilà, donc moitié noir et blanc et moitié couleur. Donc toutes les perles sont rangées dans des sachets comme ceci, des sachets zippés. Donc ça j'aime bien parce que ben, au moins une fois que le kit est terminé, ben, je remets directement les perles qui me restent dans le sachet zippé. Et en plus j'ai déjà la référence dessus, donc comme ça ben, je n'ai pas besoin de remettre l'étiquette ou quoi que ce soit. C'est un gain de temps et d'économie au niveau des sachets et des étiquettes, je trouve. Voilà, donc là... Le 310, c'est le noir. Hein. Donc, je veux encore avoir beaucoup de noir à faire. En ce moment, c'est ma couleur du moment. Bon, je ne vais pas tous les sortir, hein, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, par exemple, le 224. Alors, je regarde, les perles ont l'air pas mal. Hein. Là, elles n'ont pas collé ni rien. Donc, voilà, 224, vous voyez, le rose. Ici, c'est un prune. Voilà. Ah, là, il y a un petit déchet de perles, mais bon, c'est pas grave. Et un petit... Oui, une petite découpe. Mais bon, c'est pas grave, ça. Voilà, des prunes. Les couleurs sont très belles, hein, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes couleurs, hein, puisque les références sont les références DMC. Voilà. Je vais regarder pour vous en montrer d'autres, peut-être. Voyez, donc là, comme je vous dis, ce qui est bien, c'est j'aime bien quand c'est rangé comme ça. Bon, même en chapelet, hein, j'aime bien aussi, mais bon, quand le problème en chapelet, c'est que quand il en reste, vous avez entamé un petit sachet et vous avez terminé, ben, il faut que vous refaisiez un sachet zippé pour pouvoir le ranger, mais bon. Donc là, bon, ben, je remets tout dans les sachets, je suis tranquille. Alors, donc là, pour moi, vous voyez, donc j'ai bien toutes les couleurs. On va faire ce côté-là, ça ira mieux. Vous voyez. Donc là, j'ai bien les 28 couleurs. Et donc, voilà le kit. Alors, le kit, là, est fait sous la protection, elle est transparente. Et voilà, donc, le dessin. Ça va changer un peu de ce que je fais d'habitude. Mais bon, je le trouvais joli. Bon, une fois fini, je ne sais pas où je le mettrai, peut-être dans la chambre. Alors, je vais vous montrer... Donc, on a deux fois les références. Donc, une fois ici en haut et une fois ici en bas. Voilà. Donc, je vous montre la pression. J'espère que ça fait le point. Oui. Voilà. Au niveau colle. Ça a l'air d'aller, on verra. Bon, en tout cas, il n'y a pas de, je vois pas de rivière, je vois pas réellement de, là je vois un tout petit trou dans le kit. Je regarde.
y a un tout petit défaut dans le kit, là, ça fait un tout petit trou, pas entièrement dans la toile, mais on dirait qu'il y a comme une pointe de... Bon, du coup, je ne vois pas bien la lettre qu'il va falloir mettre à cet endroit-là. Et là, je pense pas que je vais savoir vous montrer. Non, la caméra, je n'arriverai pas à vous le montrer. Mais bon, il n'y a rien de grave. Voilà, je recolle bien. Voilà. Donc, ici, on voit bien que c'est un 30-40. Là, il y a la marque, voilà, de la boutique, donc Kefran. Ici, on retrouve l'image, hein, voilà. Et ici en bas, c'est quoi? Et c'est écrit trop petit pour mes vieux yeux. Bon. Ça doit être des explications. Et en plus, alors c'est écrit en anglais. Donc, voilà. Donc, voilà. Ben, je vous dirai, de toute façon, je vous referai des vidéos à l'usage, hein, en le faisant, comme je fais d'habitude, de toute façon. Là, je le commencerai la semaine prochaine. Puisque là, je vais d'abord finir mon Johnny Hallyday qui est sur la fin, qui est en train de se terminer. Et donc, comme ça, je vais pouvoir préparer mes perles. Je les préparerai avec vous dans mes boîtes. Et puis, on commencera ensemble ce nouveau kit. Et comme ça, je pourrai vous dire en direct ce que j'en pense. Ce que j'en pense réellement en le faisant. Voilà, bon, de toute façon, vous savez que moi, je suis assez franche pour dire ce que je pense des choses. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis, vous verrez en même temps la construction, enfin, pas la construction, l'évolution, voilà, de ce nouveau tableau. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc là, je vais vous mettre en barre d'infos l'adresse de la boutique et je vais vous mettre le lien également de ce kit, comme ça si jamais il vous plaît, ben, vous pourrez le retrouver tout de suite, hein, pour ne pas chercher dans la boutique comme il y a beaucoup de modèles, comme ça vous pourrez le retrouver directement. Et je pense que j'avais rien d'autre à vous dire pour l'instant. Non, je pense pas. Je vais faire un petit papier pour pas me tromper. Donc, le nom de ce kit, ça s'appelle la femme tigre. Voilà, donc c'est un 30-40 cm en perles carrées. Ça, je vous l'ai dit, je l'avais choisi. Et donc, voilà. Je vous remontre. Et donc, là, il vient donc de la boutique Kefran. Donc, je vous referai des vidéos. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo tous les jours. Hein, vous savez comment je fonctionne. Je vous ferai une première vidéo pour le démarrage, bien sûr. Et après, je vous ferai... je vais partager le kit, je pense, en 1, 2, 3... Ouais, en 4 parties. Hein, quand je dis en 4 parties, ça veut dire 1, 2... 3 et 4, hein, comme ça, donc sur la longueur. Donc, ce qui fera que je pense, je vous ferai normalement 4 vidéos sur ce kit. Et comme ça, vous pourrez voir. Et tout à la fin, bah, vous aurez mon avis final sur ce kit. Voilà. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que vous n'aurez pas encore beaucoup de questions à me poser sur cette vidéo. Mais si vous en avez, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, en commentaire. Vous me posez vos questions, j'y répondrai. Vous mettez des petits pouces bleus, comme d'habitude. Et on se retrouve très rapidement donc, pour une nouvelle vidéo. Et là, on démarre ce kit donc la semaine prochaine.
je pense, j'essaye de le démarrer lundi ou mardi avec vous. Et donc, ouais, je pense que lundi, mardi, ça ira. Je pense que j'aurai terminé mon journey. Donc, ça, on pourra le commencer lundi ou mardi, ensemble. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À bientôt. Et prenez bien soin de vous, surtout. À bientôt. Bisous, bisous.